J'ai vécu avec ma maman. Ma sœur, ma maman. Mes parents se sont séparés, j'étais très, 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 très jeune. Donc, ma mère était seule, elle avait pas beaucoup de sous, mais on s'est jamais rendu compte de rien, rien, rien. Elle a pris soin de nous comme si on était bien habillés, on avait tout ce qu'on avait besoin, vraiment. Une chaîne d'émotion dans ta voix, pourquoi? Je sais pas. Étais-tu heureuse quand t'étais une enfant? Oui. Mon papa me manquait beaucoup parce que, tu sais, quand tu vis ça, ce que moi je vis, moi, chaque moment que Victoria a avec son papa, je trouve ça magnifique. Une petite fille, tu sais, je trouve ça, waouh, moi, ça m'a manqué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est la preuve que c'est pas parce qu'on l'a pas eu qu'on peut pas le donner. Tellement. T'as été capable de le créer. Oui. Avec ton Jérôme, comme ça. Avec mon Jérôme. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Je voulais pas pleurer. Ben, pleurer. Pleurer quand on sourit. Ouais, c'est vrai, c'est beau. C'est pas les mêmes larmes que des larmes de peine. C'est vrai. Des fois, j'aurais besoin d'être ailleurs, tu sais. Comme pas avoir la pression de... Ils ont besoin. Ils ont tellement besoin de moi que je peux pas. Je me dépêche. Je me dépêche à faire mon épicerie. Je me dépêche à magasiner. Parce qu'il faut que je revienne. Mon rêve, quand même, parce que, tu sais, le temps que les enfants sont petits, c'est peut-être moins possible. On a moins les moyens. On donne beaucoup. Mais, tu sais, vous allez trouver peut-être ça un peu quétaine. Sauf que moi, là, quand je vais être plus vieille, que mes enfants vont quitter la maison, là, ce que je souhaite, là, c'est être toujours avec Jérôme, puis qu'on s'entraîne ensemble, qu'on voyage, puis qu'on soit toujours aussi amoureux. Tu sais, qu'on fasse des petits voyages toutes les deux, parce qu'on donne tellement pour eux autres que moi, c'est ça que je veux. Juste ça. Rien d'autre. Ce petit théâtre de retrouver ton Jérôme pour toi toute seule? Oui. Ouais. Est-ce que c'est la même chose pour lui? Je pense que oui. J'espère. Mais je pense que oui. Mais ce que je souhaite, c'est que ça dure. T'sais, c'est qu'on passe au travers de tout ça, puis qu'on... C'est ce qui est le plus important pour moi. Vous me faites pleurer encore. T'es une femme sensible. Vraiment. Mais c'est une belle qualité. Puis c'est un petit peu plus fragile. Peut-être, oui. Tu vas recevoir du Québec une grande vague d'amour. C'est gentil. Et ça, ça va te faire du bien, tu vas voir. Merci. Ça me fait peur, mais je sais que je vais arriver au moment présent, puis que je vais le vivre, puis que ça va bien aller. Mais j'angoisse un petit peu. Tu fais-tu des crises d'angoisse? Ouais. Ça va jusque-là? Oui. J'arrive pas à croire ça parce que, non... J'ai l'air. Ouais. J'ai l'air. J'ai l'air calme, mais en dedans, ça... Jérôme, presque seulement Jérôme est capable de calmer une crise d'angoisse. Il me prend, il me pèse le dos, pèse le cœur. Il est capable de m'en créer aussi. Il écrit, puis après il est calme. T'as tout un corps. Oh là là. Ouais.